Wow, bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Comme vous le voyez, je viens de descendre de mon lit. Mais pendant que j'étais couché, j'ai reçu un message. Ah, mes frères et sœurs, est-ce que c'était un bon message ou un mauvais message? Ça, c'était de ouf. Quand vous recevez un email, vous priez pour que ce soit un bon message. La semaine a commencé des difficultés, comme on vous l'a dit, même dans les précédentes vidéos. YouTube nous envoie un message pour vous amener, pour nous demander de corriger certaines choses. Et nous avons 30 jours pour le faire, pour éviter les histoires. Et voici encore que nous venons de recevoir un autre message. Je ne sais même pas ce que contenait le message. Mais, quel que soit le message que vous recevez, qu'est-ce que vous devez même faire? Vous devez lire. Même si votre ennemi vient vous rendre visite, même si vous savez que vous êtes ennemi, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez le recevoir. Vous le recevez bien, tranquillement, tranquille. Et puis, vous vous posez la question de ça, mais bon, qu'est-ce que tu cherches chez moi? Puisque nous sommes même ennemis. Ou bien, on ne fuit pas les problèmes, on les affronte. Donc, j'ai ouvert le message. L'email pour essayer de voir ce que contient l'email, et vous devinez quoi? Je viens de recevoir un don sérieux, un don. C'est sans doute un abonné. Et pourquoi j'ai dit ça? Vous allez voir déjà. Vous allez voir, regardez le message. J'espère que vous voyez. Vous voyez le message. Est-ce que vous pouvez même bien voir? Regardez bien. Bon, on va essayer de augmenter la luminosité, vous allez bien voir. Bon. Déjà, on peut voir ce message-là. J'espère que vous voyez où. Bon, je vais lire, ça va aller. Ce message, je vois le message. Déjà, on nous dit que vous venez de recevoir un don. Est-ce que vous voulez que je vous dise même la somme? Bon, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce que c'est le message qui accompagne le don qui m'intéresse vraiment beaucoup aussi. Regardez même ici. Cette personne, on va pas dire le nom aussi, pour garder la confidentialité des gens, pour garder la personne de l'intégrer. Mais en lisant le message, si c'est un abonné qui envoie le message, qui envoie le don, il va se reconnaître. Et nous allons profiter de cette belle opportunité pour faire un truc. Lisons le message, vous pouvez voir. On nous dit merci. Cet abonné, cette personne qui nous a fait le don, nous dit merci pour votre travail sur YouTube et surtout pour votre esprit fraternel. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Voilà, où est-ce que je suis réveillé? Est-ce que je suis toujours encore endormi? Est-ce que vous pensez que je suis même éveillé? Mes frères et sœurs, c'est dur le travail que nous faisons. C'est dur, c'est pas facile. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut que quelqu'un quand même vienne vous dire la vérité. C'est difficile. Mais quand vous vous réveillez avec de très bons messages comme ça venant des personnes qui vous suivent, vraiment, ça donne le courage, la force de pouvoir avancer. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais nous sommes des frères. On doit se soutenir. On doit se soutenir. C'est parce que Nyan Soubon vous donne de vrais conseils que ça veut dire que Nyan Soubon est parfait ou bien il est bien. Nous aussi, nous aurons nos soucis. Quand ça nous dépasse juste un peu, on vient faire la vidéo et on vous dit franchement, on a besoin de votre soutien et de votre prière, comme ce qu'on a fait récemment dans les vidéos précédentes. Cette vidéo pourrait même apparaître sur l'écran ici à la fin de cette vidéo, vous allez voir ce qu'on s'est dit. Ce message venant de cet abonné, mon frère, ma soeur, bon, je vois déjà, apparemment c'est un homme. C'est que
Mon frère, merci beaucoup pour le don. Toutes les communautés cubaines vous remercient pour le don et vous bénissent, vous et votre famille. Moi aussi, j'ai une famille, j'appartiens à une famille. Je suis enfant de quelqu'un, je ne suis pas tombé du ciel. Donc, quand tu fais un don comme ça pour me soutenir et soutenir toutes les communautés cubaines, tu soutiens des familles, tu leur donnes la force. Tu leur donnes de pouvoir croire en ce que Dieu a mis en eux pour pouvoir avancer dans leur vie. Mes frères et sœurs, la vie est dure, mais avec Dieu, nous pouvons faire de l'espoir. Dieu peut nous aider. Et comme Dieu ne descend pas du ciel, il peut passer aussi par vous pour nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. En dessous de cette vidéo se trouve notre PayPal. Vous voyez PayPal 2 points et puis vous voyez l'adresse email. Tous ceux qui ont les moyens de nous soutenir, faites-le sans hésiter. Parce que moi, quand je donne aussi, je le fais sans hésiter. Ce que tu donnes là, c'est ce que tu fais, ce que tu reçois aussi. Mais le message que vous allez envoyer à accompagner à côté là, ça c'est une chose à ne pas oublier. Mes frères et sœurs, c'est une chose à ne pas oublier. Le message qui est à côté. Vous allez faire des dons, ça va nous aider à faire beaucoup de choses. Mais le message qui est là va toujours rester, même rester dans notre esprit. Toujours rester dans notre pensée. À chaque fois que nous reviendrons sur cette vidéo, nous dirons, je sais Seigneur, Dieu commence à faire un travail et même les humains commencent à comprendre que c'est un travail sérieux. Je vous lis encore le message, s'il vous plaît. Merci pour votre travail sur YouTube et surtout pour votre esprit fraternel. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ça veut dire que cette personne aime bien la manière dont nous travaillons pour ouvrir les yeux de nos frères et sauver la vie des gens. C'est pas facile. Hein? Mais si vous aimez ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Merci à tous ceux qui nous soutiennent aussi dans la prière. De loin comme de près, toutes les personnes qui nous soutiennent, c'est une bonne affaire. Toutes les personnes qui soutiennent, ce n'est pas un... C'est une bonne affaire. Parce que nous ne sommes pas là pour vous tromper. Nous sommes là juste pour causer avec vous, échanger avec vous, dialoguer avec nos frères et sœurs et trouver ce que nous devons trouver, des réponses à nos questions, afin que nous ne puissions plus être esclaves des choses de ce monde ou des trucs qui se passent même dans ce monde. Là, quand nous trouvons ensemble les réponses à nos questions, personne ne peut tromper quelqu'un. Ça, c'est une bonne affaire. Ah! Mes frères et sœurs, merci. Avec le message que j'ai reçu de YouTube, ah, il me disait, mais ah, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? La semaine commence mal, on dirait. Hein? Mais avec ce message qui apparaît même aujourd'hui, dimanche, on va dire, ah, c'est vrai, la semaine a mal commencé, mais ça commence à bien terminer. Même si nous avons 30 jours pour régler le problème, on ne sait même pas si tout va passer bien, mais nous savons une chose, c'est que quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui se passe, nous devons rendre gloire à Dieu. Parce que Jésus est Seigneur. Et Dieu, il est trop fort. Nous devons avoir confiance en lui. Merci mon frère, merci ma soeur, merci à toute ta famille, merci que Dieu bénisse tous les abonnés, que Dieu vous bénisse vraiment. Et ce don également, le premier don que nous recevons en 2019. En 2018, nous avons eu des dons. Mais en 2019, ça, c'est également le tout premier don que nous recevons. Ça, c'est à ma connaissance. Peut-être que je me trompe. Vous pouvez également réagir si vous avez peut-être vu d'autres vidéos qu'on a fait de ce genre. Mais à chaque fois que nous recevons des dons, avec de très bons messages accompagnés comme ça, nous prendrons
notre temps pour lire votre message, pour que ça aide beaucoup de personnes et que Dieu encore soit glorifié. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. S'il ne m'avait pas donné la vie, il n'avait pas donné la vie à cet abonné qui envoyait le don, ce ne serait pas possible. Qu'il continue toujours à nous donner sa vie, longue vie. Que l'année 2020 même qui arrive soit une très bonne année. Et que Dieu veille sur votre vie. Jusqu'à même à ce que l'année terre se termine. Que Dieu vous protège et vous épargne de beaucoup de problèmes. Vous n'ayez jamais de problème d'argent. Parce que l'argent, ce sont des choses simples. Ça doit nous servir. Que Dieu nous donne une longue vie. Que Dieu nous donne la force, sa force et tout ce qu'il faut. C'est un don que nous avons reçu sur PayPal. Et nous vous remercions pour ça. Que Dieu bénisse frères et sœurs. Prenez soin de vous. Préparez-vous aussi à la prochaine vidéo qui arrive. Hier, nous avons parlé de ça. Ah, mes frères et sœurs, accident de voiture. Les gens se disputent. Même parfois, ils ne comprennent pas les gens. Vous êtes deux conducteurs de transport, voiture, transport en commun. Vous êtes dans le transport en commun, vous conduisez votre voiture. L'un veut dépasser l'autre. Qu'est-ce que ça va donner? Vous allez voir dans la prochaine vidéo. Ce que ça va donner pour vous abonner maintenant, activez la cloche et soyez prêts. Cette vidéo arrive si on se voit ici. C'est tout de ouf. Il y aura un accident. Mais ça va aller. Dieu va nous aider. Cette vidéo va nous aider à comprendre des choses de la vie. Et comprendre quand même que vraiment dans la vie, il ne faut pas être trop pressé. On a l'impression même que les gens ils sont vécus, mais ils sont même plus pressés même que les piétons. Quoi. Ceux qui marchent n'ont pas de problème. Et même ça, même que si, même s'ils courent, il ne faut pas arriver là où ils vont là. En une seconde, il faut du temps. Parce que dans la vie, chaque chose a un temps. Quand on est trop pressé, parfois on rencontre Monsieur Problème. Et Monsieur Problème, c'est même pas un bon gars. Ça veut dire que c'est temps-ci là. Mais frère, c'est faux qu'on se donne de vrais conseils. Et quand on se donne ces vrais conseils, des conseils comme ça, il faut qu'on les applique. Il faut qu'on les applique, on les accepte. On les applique. Et puis on marche avec. Dans ces derniers temps là, évitez les histoires. Si quelqu'un vous cherche des ennuis, laissez-le passer. Les sorciers qui sont là, ils cherchent les gens. Si vous êtes dans un véhicule, ne cherchez pas à dépasser les gens. Ne cherchez même pas à rigoler. N'importe comment. À la fin de l'année, on dit qu'il y a les gens qui veulent recueillir le sang des gens. Déjà, même quand on dit qu'à la fin de l'année, il y a beaucoup de sacrifices. C'est des moments qu'on prie la fin de mettre sur la tête. Et je dis que, oh, okay, quand même, ils savent que déjà, chaque fin d'année, il y a des trucs. Donc nous aussi, on va profiter de l'occasion pour faire les trucs chelous afin qu'ils puissent mettre cela sur le corps des sorciers. Ou mettre sur le corps de la fin de l'année. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mon Dieu. Qui va nous sauver maintenant? Frères et sœurs, avant de dormir, il faut prier. Mais avant de commencer votre prière, même dans la prière, la première chose que vous allez dire, il ne faudrait pas que ce soit un truc du genre, Seigneur, donne-moi l'argent. Il ne faudrait pas que ce soit un truc du genre, Seigneur, donne-moi beaucoup de femmes. Mais donne-moi mari. Hein? Donne-moi mari en même temps. Commencez déjà d'abord par vous repentir. Repentez-vous. Repentons-nous tous ici, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Personne n'est pas fait ici, sinon Dieu seul. Donc on dit Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Ah, il y a des péchés, mais il y a fait, j'ignore. Pardonne-moi pour ça aussi. Pardonne-moi pour tout. Avant même de pouvoir me montrer même dans les détails. Forcément. Il va falloir que toi tu pries. Si tu ne peux pas faire une bonne affaire. Quand tu pries, tu augmentes ta santé spirituelle. C'est comme ça se passe. Quand tu lis la parole de Dieu, tu augmentes ta nourriture spirituelle. C'est un truc d'esprit. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de vous amener à vous accrocher à Dieu.
Si tu n'as pas Dieu, tu auras qui dans ta vie? Tu auras même qui? Tu auras même qui? Bon, ok, préparez-vous pour la prochaine vidéo. Nous allons faire des choses extraordinaires pour ma famille. Là, je vais acheter certaines choses. Voilà, bon, on peut dire de la nourriture. Prenez un peu de force. Ouais, je viens de me réveiller. Regardez, quand tu veux que Richardson. Il a même vu être même riche, quoi. Comme si c'est la solution au problème du monde. Si être riche c'est la solution au problème du monde, les gens ne seront pas des problèmes ici. Bon, ok, pour la prochaine vidéo, dites-nous ce que vous en pensez aussi. On essaie jamais. C'est parti.